que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous faire un tag. Et ce sera le tattoo tag. Alors, je ne suis pas une grande spécialiste du tatouage, mais j'aime ça, donc voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de questions, il n'y en a que 5. Et si vous-même vous avez des tatouages et que vous voulez refaire ce tag, n'hésitez pas à le faire, je vous mettrai la question en barre d'infos ou sur mon blog, je vais voir. Mais voilà, donc c'est parti, donc il y a 5 questions comme je disais. Et petite parenthèse avant de commencer, j'ai ouvert un Shares the Love. Si vous voulez participer au Shares the Love, dépêchez-vous de m'envoyer vos petites vidéos car je vais bientôt le fermer. Et voilà, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à y participer très vite. Donc c'est parti. Alors, première question, as-tu des tatouages? Alors oui, si vous avez vu ma vidéo, je vous la mettrai juste là. J'en ai un qui est juste ici. Voilà, donc c'est mon unique tatouage pour l'instant. C'est même mon premier tatouage. Donc j'ai celui-ci. J'espère que vous verrez bien. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question, à quel âge as-tu fait ton premier tatouage? Donc celui-ci, je me le suis fait à 21 ans. Donc l'année dernière, parce que j'en ai 22. Donc à 21 ans, l'année dernière. As-tu eu mal? Alors honnêtement, ça a été. Honnêtement, j'ai pas eu, je veux pas dire que j'ai souffert. Mais j'ai eu juste en fait un tout petit peu de mal. Je crois que vous en avez parlé dans ma vidéo. C'est quand elle a fait la jointure. Je sais pas si vous verrez hein, la jointure juste là. Pour relier les traits. En fait là ça faisait beaucoup mal en fait. Mais sinon le reste du tatouage, ça a été tranquille. Ça a bien été. Ensuite, quatrième question. Quelles sont les significations de tes tatouages? Alors je sais plus si je vous en avais parlé dans ma vidéo tatouage. Mais moi, le tatouage en fait que j'ai fait, donc comme vous le voyez, c'est un signe infini. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, mais c'est mon choix, donc voilà. Et à l'intérieur, j'ai fait deux initiales. Donc j'ai fait l'initiale de ma grand-mère et l'initiale de mon grand-père. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des personnes que je voulais me faire tatouer à un moment donné. Et donc du coup, voilà, j'ai choisi ce tatouage. Après, j'ai pas envie de vous en expliquer plus sur la signification, parce que c'est une signification très personnelle. Donc voilà, c'était juste une petite indication comme ça pour vous expliquer vite fait. C'est un tatouage en rapport avec mes grands-parents où il y a leurs initiales, donc l'initiale de mon grand-père et l'initiale de ma grand-mère. Donc voilà. Et enfin, cinquième et dernière question, je vais arriver. Ton futur tatou. Alors j'en ai deux en tête que j'aimerais bien me faire. J'aimerais bien me faire le chiffre 8 en chiffre romain, donc toujours en rapport avec mon grand-père et ma grand-mère. Voilà, c'est un tatouage que j'aimerais beaucoup me faire faire. Après, je sais pas où, j'ai plusieurs endroits, donc soit je me le fais faire ici, je sais pas si je peux, juste là, donc toujours sur le côté gauche, donc juste ici, soit je me le fais faire ici, soit ici. Donc je sais pas encore, c'est encore en réflexion. Voilà, un tatouage. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur mon tatouage, ça ne se prend pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas vous dire je vais me faire tatouer. Non, ça prend du temps, il faut y réfléchir. Donc c'est pour ça que j'y réfléchis. Et le deuxième que je voudrais faire, c'est un peu une horloge avec le temps qui passe. Enfin, c'est un peu une idée dans ma tête que j'ai. Je suis encore en train de travailler, on va dire, dessus. Mais voilà, et j'aimerais celui-là me le faire faire soit donc ici, soit ici. Donc à voir. Pour le deuxième du coup que j'aimerais me faire. Celui-là est vraiment encore en réflexion. Mais l'autre que je vous ai dit juste avant, celui-là c'est sûr que je vais me le faire faire. Donc il faut juste que je trouve le tatoueur. Donc je sais pas si je retourne où j'ai fait le mien ou si je vais en voir un autre. Le prix, avoir les sous parce que c'est pas mal. Et savoir où je me le fais, c'est surtout ça le plus important. Savoir où je me le fais. Donc voilà tout le monde. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. J'avais envie de vous parler un peu de tatouage parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez refaire ce tag, n'hésitez pas à le refaire. Je vous mets les questions en barre d'infos et ou sur mon blog. Le lien de mon blog en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de très 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 gros bisous. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.